changer cette famille pour une femme. N'est-ce pas, Erika? On y va un petit coup derrière, comme d'hab, super, ils sont sympas les gens ici. Allez, on va tester ce fameux bibimbap et je vais vous présenter. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, le bibimbap. Ça y est, donc le bibimbap est en préparation. J'ai passé commande. J'ai pris un bibimbap au bœuf avec de la sauce pimentée. Donc en attendant tout ça, je vous préviens dès que ça arrive. Dès que c'est prêt. Mon bibimbap, lorsqu'il va arriver, ça va être là. Il va m'emmener là et la serveuse va me l'apporter. C'est ce fameux bibimbap tant attendu et dont j'ai parlé la dernière fois. Erika, si lorsque tu vas en Corée du Sud, c'est ça que tu dois manger en premier. Si tu ne te serves pas dans l'avion, tu prends ça avec la sauce pimentée. C'est vraiment trop bon. C'est mon avis. Vraiment bon. Je vous recommande cet endroit et je vous recommande en même temps cette spécialité coréenne. Donc c'était pour vous faire découvrir ça et vous recommander cette spécialité forcément. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois dans un de mes vlogs, j'avais été dans un autre endroit que celui-là et j'étais décomposé en sortant du lieu. Ce que j'avais vraiment pas aimé. Et là, je vous recommande cet endroit, c'est beaucoup mieux. Et cette spécialité, je le répète encore une fois. Voilà, donc n'hésite pas, Cachou, à manger ce plat typique coréen. Ça se peut que, je rigole, mais ça se pourrait qu'à la fin, tu t'ailles là-bas et que tu laisses tout et que tu me dises ah, mais c'était pas bon, etc., etc. Mais bon. Moi, je te recommande, j'aime beaucoup.
Je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure dans le restaurant. J'ai dit tout simplement que je m'étais régalé, que je vous avais filmé le plat et que je m'étais régalé et que je conseillais à tout le monde, à Erika forcément, à qui j'ai dédié ce fameux bibimbap et ce vlog. Et je recommande à tout le monde de manger ce plat coréen typique et d'aller dans cet endroit. Il se situe dans un food court qui est actuellement à côté de la station Town Hall. Vous reconnaissez les environs. Là, Town Hall, les grands bâtiments que je vous ai filmés derrière. Voilà, pour vous situer géographiquement le lieu du restaurant. On continue le vlog. Je vous avoue que généralement pour ce fameux bibimbap, je prends la version seafood. Mais je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais bon, ça avait l'air d'être important. Oui, je voulais vous dire, d'habitude je prends la version seafood, la version fruits de mer pour le bibimbap, mais je sais pas. J'ai l'impression que hors de la Corée, ils ne le font pas. It's like a tree, beautiful solid tree. Version, si tu vas en Corée, tu prends la version seafood, comme moi j'ai pris, j'ai l'impression que c'est la meilleure. Après là j'ai pris la version, il y a eu les deux versions, version bœuf et version chicken, donc version poulet.